Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Christophe Carrio. Non, non, là tu t'es trompé, t'es sur ma chaîne. Ah merde. Mais ça fait plaisir de te voir quand même. Donc bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Gérald et nous sommes très heureux pour vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va travailler le... muscle up, tu m'as dit. Le muscle up, exactement. Le muscle up aux anneaux, donc on va vous détailler avec Gérald toute une progression pour arriver justement à maîtriser le muscle up. Donc le muscle up, c'est cet exercice où on part en position de traction, on va monter et on va venir en position de répulsion au-dessus des anneaux. Donc Gérald, il m'avait demandé en fait de faire une petite... progression. Je suis très intéressé par cet exercice parce que je t'ai vu en vidéo et tu es très fort. Pour moi, tu as quasiment un niveau de gymnaste presque. Hein. Alors moi, je sais faire le muscle up sur barre fixe. Par contre, aux anneaux, je ne l'ai jamais fait. Et je sais que c'est particulier, que c'est plus difficile. Et donc, en fait, tous les exercices que tu vas me montrer peuvent servir à tout le monde parce que ça va permettre de progresser. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins, tu vas me donner les bases pour que si après je m'entraîne, je puisse y arriver un jour. Exactement. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous proposer, au travers de Gérald aujourd'hui, toutes les progressions pour que vous puissiez travailler à votre rythme chez vous, et bien justement, les différentes progressions, les différents éducatifs pour pouvoir maîtriser ce muscle up. Donc comme on va le voir avec Gérald, il a déjà beaucoup d'aptitudes physiques. Mais je vais vous donner. Ça, c'est un bon pote, ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu solide. Pas aussi fort que moi, mais. Je m'entraîne, j'essaie. Bon. Non, mais blague à part, on va vous proposer ça justement pour essayer de maîtriser ce mouvement. En général, les gens qui suivent les progressions que je vais donner aujourd'hui, de façon graduelle, ils peuvent arriver à maîtriser selon leur niveau de base le muscle up en 3 ou 4 mois. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a une saisie déjà qui est particulière au départ, c'est ça sur les anneaux? Ouais, exactement. Donc on va voir tous l'échauffement spécifique pour bien s'échauffer. On va voir ensuite les fondamentaux du mouvement. On va voir la technique spécifique. D'accord. Et ensuite, je te ferai essayer différentes progressions et on verra le niveau où toi, tu dois bosser. Et puis, tu te réguleras lorsque tu seras chez toi. Bah écoute, je suis très impatient de connaître ça et surtout très intéressé. C'est parti. On est parti. Avant tout travail corporel, vous le savez, on en avait déjà parlé dans la première vidéo avec Gérald, il faut absolument toujours bien s'échauffer. L'échauffement, tu le sais, c'est la clé de la longévité. Donc aujourd'hui, toujours dans l'objectif du muscle up, je vais te proposer un échauffement spécifique pour préparer toutes les articulations autour de l'épaule et du coude. D'abord les préparer en termes de préparation à l'effort, monter en température. Et puis ensuite, on va faire des exercices de plus en plus spécifiques pour vous apprendre à progresser sur ce fameux muscle up. C'est bon pour toi? Parfait. En plus, je suis très intéressé parce que je suis sûr que c'est que des exercices que je pratique jamais. Tant mieux alors. Donc, à la découverte. Alors, plutôt que de partir directement en position de pompe sur les pieds, ce qui peut mettre en fonction de votre niveau un peu trop de tension au niveau des muscles, on va tout simplement commencer de façon progressive à genoux. Donc on va faire des pompes à genoux, Gérald, mais avec une séquence particulière. Je te montre une fois l'intégralité de la séquence. Donc là, je suis gainé. Je vais faire 2 pompes. Je repose au sol. Je vais tendre mes bras, soulever les bras, tirer les bras vers l'arrière en essayant de bien garder les bras vers le haut. Donc ici, on voit que les triceps se contractent. Tous les muscles de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire autour des épaules, se contractent. Je vais ramener vers l'avant. Je vais former un W ici avec mes bras, je reprends contact au sol et je repousse pour 2 pompes et on va enchaîner comme ça. Tac, tac, tac et ainsi de suite. On y va? Bah écoute, déjà je peux te dire, j'ai jamais fait ça de ma vie. Première fois, découverte. Donc, par contre, t'es bien souple des épaules, tu ramènes bien en arrière, toi, j'arriverai pas à faire longtemps. En fait, ce qu'il faut, c'est absolument réguler en fonction de votre mobilité d'épaule. Moi, j'ai l'habitude de faire ces exercices-là, j'ai une bonne mobilité d'épaule. Peu importe finalement l'amplitude que vous avez au début, l'important c'est d'avoir la volonté de vraiment soulever les bras. Ça permet de chauffer les muscles. Ça permet de chauffer tous les muscles autour de l'épaule et de travailler ce qu'on appelle l'équilibre articulaire autour de l'épaule. Et c'est le muscle qui va être concerné par le mouvement. Exactement. Bien préparer ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, tous les muscles qui vont protéger et qui sont autour des omoplates qu'on va retrouver dans le muscle-up. Donc, c'est parti. Que j'essaye cette affaire. Donc, on se met ici, position de gainage en pompe, sur les genoux. On fait deux flexions. 1, 2. On pose au sol, tend les bras, soulève les bras, ramène les bras vers l'arrière et vers l'avant. W, pose les mains au sol, repousse. 2 pompes, repose, tend et ramène. W, pose, repousse et tend. Donc en moyenne, ce que je vous recommande de faire quand vous serez chez vous, hop, excusez-moi, j'ai fait 2 passages inutilement, c'est de faire une dizaine de répétitions de l'ensemble du combo, pose, repousse. Et petit à petit, vous allez sentir que tous les muscles autour de l'épaule, des pectoraux, des triceps commencent à bien chauffer. On relâche. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment senti, on n'a pas fait beaucoup de répétitions là, j'ai vraiment senti, et c'est vraiment un échauffement particulier. Ouais. Je suis en pleine découverte là. Eh bien, tant mieux, c'était le but justement de vous proposer une autre façon de travailler le corps et peut-être d'aider certains d'entre vous à retrouver un corps sans douleur. Si on peut. Alors là, Christophe, si on arrive à ça, là. Alors maintenant, un autre truc qu'on va voir au travail aux anneaux, c'est qu'on va utiliser une prise très particulière qu'on appelle le false grip. C'est ça que j'ai entendu parler et qui n'est pas évident, c'est ça? Exactement, c'est pas évident parce que déjà ça demande beaucoup de force au niveau des muscles de l'avant-bras pour maintenir cette flexion. Lorsque vous allez être en position, on va en fait se suspendre comme ça au niveau des anneaux et on va devoir garder la position jusqu'ici, jusque dans la position finalement de transition. Donc pour garder en fait cette position là, alors qu'en fait, excuse-moi si je te coupe, c'est qu'on a plus l'habitude avec une barre de traction à ramener comme ça. Exactement. Et donc là tu demandes un mouvement externe. Complètement. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on prépare déjà tous les muscles autour des avant-bras à l'intensité qu'on va avoir. Donc on va juste faire des exercices classiques de gymnastique où on va mobiliser les articulations de l'avant-bras. Ok, celui-là je connaissais. Donc on fait des cercles en mettant un peu de pression, en poussant un petit peu dans des angles articulaires pour préparer tous les tissus, les tendons, les muscles, justement à être prêt à avoir une amplitude qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. Et alors après, Gérald, on va faire dans l'autre sens, donc qui est beaucoup plus dur. Donc on va se mettre ici. Voilà. Sans pitié. Oh. Oui, exactement. Oh. Et donc on va faire la même chose, doucement. Ah donc, ouais, là c'est un peu plus difficile quand même. Et l'idée, voilà, c'est de préparer justement les amplitudes, les tissus, les ligaments. Hop. On peut repositionner, tu peux faire des cercles comme ça. Mais un peu de résistance, comme si tu voulais écraser, tu vois, Gérald, les mains au sol. Ouais, les mains au sol. Comme si on voulait vraiment soulever tout le poids. On fait des cercles comme ça, ça prépare tous les muscles que vous avez là, dans l'avant-bras, toutes les gaines. Ces gaines qui ont tendance justement à devenir fragiles quand on vieillit. C'est vraiment une spéciale pour vidéo spéciale vieux hein, aujourd'hui. C'est comment rester jeune quand on devient vieux en fait. C'est ça le but de la vidéo. Donc maintenant on va travailler de façon beaucoup plus spécifique pour tous les muscles qui sont impliqués dans le tirage, donc les tractions classiques et la répulsion qui sont très très importantes puisque on va le faire dans un état d'instabilité. On vous retrouve tout de suite. Donc Christophe, là on est sur le travail aux anneaux, donc ces anneaux ils viennent de chez toi? Ouais, c'est ce que j'appelle le CTS Trainer, ouais, tout à fait. D'accord, très bien. On peut les installer donc bien sûr sur broche d'arbre, sur des potes, etc. Mais là, toi, tu les as fixés à même le plafond chez toi. Alors, c'est pas tout à fait à même le plafond. Moi, j'ai fait installer une poutre au-dessus du faux plafond et j'ai fait mettre des crochets qui dépassent en fait du faux plafond, les crochets que vous voyez. Mais dans mon ancienne maison, ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, j'avais une poutre en fait chez moi sur laquelle j'avais fait installer des crochets. Donc, dans tous les cas, tu es en sécurité totale et complète. Ah oui, tout à fait. Par contre, voilà, si vous voulez fixer ce genre d'installation chez vous, il faut vraiment faire appel à un artisan très compétent pour avoir des fixations extrêmement solides, parce qu'à partir du moment où vous allez vous suspendre tout le corps, parfois à l'envers, lorsqu'on fait des progressions un peu de haut niveau aux anneaux, voilà, si vous avez une fixation qui pète, vous avez les cervicales qui pètent derrière. Donc, si vous voulez que les fixations tiennent, vous ne m'appelez pas pour les mettre en place. Moi non plus, je ne suis pas un bon artisan. J'ai des collègues qui sont très compétents, mais voilà. Je vais juste te montrer, Gérald, ce que c'est le muscle up. Donc le muscle up, c'est un exercice où on va partir ici en position et on va monter au-dessus des anneaux. Déjà. Donc, bien entendu, tout le monde ne peut pas réaliser ça comme ça, de bout en blanc. Donc, la première des choses qu'on va faire juste après notre échauffement, c'est un échauffement plus spécifique, où là, on va simplement bosser sur réaliser des tractions, c'est-à-dire apprendre à bien contrôler mes omoplates. Donc, tu vois, bien apprendre à tracter d'abord avec les omoplates, pour ensuite bien monter. Et donc ça, pour ceux qui ont un niveau qui n'est pas très élevé, c'est vraiment la base, d'abord, à maîtriser. Puis ça fait un exercice de renforcement musculaire. Et ça fait un exercice de renforcement musculaire. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à décoller les pieds de sol, c'est pas grave. Vous réglez les sangles. Ça, ce sont des sangles qui sont réglables. Et vous gardez en fait vos pieds au sol pour réaliser exactement le même exercice. Les pieds en contact avec le sol. Gérald, il n'en a pas besoin, hein, c'est un spécialiste de la traction. Donc, on va travailler pieds. Démarrage au sol pour terminer notre échauffement. Voilà. Comme ça. Garde carrément tes hanches, tes genoux fléchis, Gérald, comme si tu étais assis en fait. Voilà. Et là, tu vas tractionner et décoller. Voilà, parfait. Très bien. Et je décolle les pieds du sol. Ouais, si tu peux, en position de gainage. Voilà. Et tu redescends. Voilà. Ouais, déjà, ça fait un exercice d'entretien, hein. Vous savez ce que j'ai vu, les gars? Ils nous disent souvent de mettre le pouce à l'intérieur. Et bien là, c'est vraiment... J'ai triché, j'ai grippé. Bon, je refais une pour rattraper. Voilà. La fermeture ici avec le pouce, elle est vraiment très très importante parce qu'on va retrouver cette fermeture obligatoire sur le face grip qu'on va voir plus tard. Très bien. Donc, la même chose pour continuer à travailler sur l'échauffement spécifique. Encore une fois, vous pouvez régler la taille des anneaux au niveau de la longueur des sangles pour pouvoir cette fois-ci travailler sur les dips. Donc, je peux ici monter et l'idée, ça va vraiment être de contrôler ma descente et de remonter. Donc, contrôler, remonter. Donc, j'essaie de garder vraiment le contact avec le corps parce que, bien entendu, les anneaux, leur rôle, c'est de partir dans tous les sens. Donc la difficulté par rapport aux barres parallèles. Exactement. Mais en même temps, la difficulté et en même temps la liberté. Les barres parallèles ou la barre fixe vont te donner, vont imposer une trajectoire à l'articulation. Alors que là, le travail aux anneaux, grâce à la liberté en fait des anneaux, vont laisser mes articulations prendre la forme qu'elles veulent elles. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça va t'aider à prévenir toutes les blessures de tendons, les blessures articulaires, etc. En gros, par rapport à la mécanique des bras de levier, lorsque je travaille sur des barres parallèles ou des barres fixes, mon corps est obligé de s'organiser par rapport à la barre. Alors que finalement, là, je vais m'organiser autour des anneaux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ton articulation peut suivre en fait. Exactement, il y a une liberté articulaire que je n'ai pas sur les barres parallèles ou sur les barres fixes. Mais qui est quand même une difficulté parce qu'il y a l'équilibre. Tout à fait. Donc, parce que là par exemple, moi j'ai jamais fait de dips aux anneaux là, mais ça m'a l'air plus difficile parce qu'il y a un équilibre à acquérir par rapport au mouvement là. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup les dips, là, j'en fais au bar parallèle, mais aux anneaux, là, je vais découvrir. Donc, par exemple, si on ne veut pas trop trafiquer la longueur des sangles pour éviter de les régler, ou si vous travaillez avec des anneaux plus traditionnels que le CTS Trainer, on peut simplement bosser sur un support, ce qui va permettre à Gérald en fait, de garder les pieds sur le support et donc d'avoir moins de gestion d'équilibre. Okay. Ok. Donc, tu montes directement là. Tu vas, exactement, tu te mets en position et l'idée, voilà. J'aide avec les jambes. Exactement. Tu t'aides avec les jambes d'abord pour... Déjà, je sens là que, tu vois, pas pareil. L'instabilité, ouais. L'instabilité, complètement. Ouais, c'est... Ça va pas être simple, cette affaire. Sinon, il y a des trucs faciles à faire, c'est mal. Mais en fait, quelqu'un qui fait des dips aux anneaux comme ça, là, oui, fatalement, ça le rend plus fort quand il bascule en barre parallèle sur du fixe. Absolument. Donc, ça peut aider à progresser en dips et en pompe. Moi, j'aime bien alterner à la fois le travail aux anneaux et à la fois le travail sur barre parallèle. Pourquoi? Parce que le travail aux anneaux va m'offrir la liberté articulaire dont on a parlé précédemment. Donc, moins de traumatisme au niveau des articulations, des tendons, etc. Mais le travail aux barres parallèles, je vais pouvoir du coup le lester. C'est-à-dire que sur les barres parallèles, je vais pouvoir utiliser, rajouter du poids et donc développer de la force. Que tu ne fais pas aux anneaux par exemple. On peut rajouter, moi je travaille, mais c'est beaucoup plus dur. D'accord. Beaucoup plus dur. Déjà quand vous rendez compte en faisant des dips aux anneaux que ça va trembler dans tous les sens. Ah, donc déjà, même avec les pieds au sol, j'ai senti déjà. Voilà. Donc, si vous rajoutez un disque de fonte ou une kettlebell entre les cuisses, vous allez vite vous rendre compte que c'est très dur. Donc, on a les deux options, soit on prend appui directement et on fait des dips, d'accord? Donc, pareil, ce qui je vous recommande moi absolument, c'est de maîtriser au minimum 6 à 8 tractions et 6 à 8 dips avant vraiment de passer à l'étape supérieure et de vous lancer sur le travail spécifique du muscle-up. Ah, c'est très important, voilà. C'est très bien. Donc, il faut quand même une base de 6 à 8 répétitions d'affilée, oui, propres pour pouvoir s'engager aussi. Exactement. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas ce niveau-là, c'est pas la peine qu'il se lance sur le muscle-up. Il reste, alors il essaye de progresser. Il peut éventuellement travailler la force spécifique sur le face grip qu'on va voir, ouais, parce qu'il va développer justement ce que j'appelle la tolérance des tissus, c'est-à-dire, ouais, la tolérance des tendons, des ligaments, aux mouvements spécifiques. Mais s'il n'a pas un niveau de force minimal, il n'arrivera pas de toutes les manières à maîtriser un muscle-up. Donc, ça ne sert à rien de vouloir brûler des étapes. Très bien. Voilà. Très important ce que tu dis. Donc, 6 à 8 tractions, 6 à 8 dips et en parallèle des éducatifs spécifiques au muscle-up. Et quand vous avez un petit peu plus de maîtrise, eh ben là, vous pouvez commencer à travailler sur les étapes supérieures qu'on va voir avec Gérald. Par exemple, moi, je fais que 5 tractions et 5 dips. C'est pas la peine que j'essaye le muscle-up aujourd'hui. Non, il fait pas 5 tractions et 5 dips. Il fait des séries de je sais pas combien. Non, pas trop. Donc, Gérald, on le fait sans? Allez. Comme ça, les gens. Sauf si t'es pas encore assez chaud. Hein. Non, ça va. Bon. Ça devrait aller. Donc là, tu montes en dips. Ok. J'en fais combien? Tu en fais 4-5. 4-5? Ouais. Ok. Ouais, là, je suis parti. Donc, impulsion, je me mets en tension et je dips. Ah, exactement. Ça. Allez. 1, 2, 3. Tiens, déjà, rien que d'être comme ça, je sens que c'est pas facile. Ça bouge bien. Voilà. Nickel. Et tu relâches. Et rien que là, rien que de tenir comme ça, c'est pas évident. On voit qu'il y a une instabilité. Ouais. Mais on voit également que du coup avec les anneaux, il a pu avoir une forme articulaire qui lui convenait. Il s'est tout de suite organisé comme ça. Cette forme articulaire, elle est donnée par la mobilité que vous avez au niveau de vos épaules, au niveau des coudes, etc. Donc quand vous êtes sur des barres parallèles, les barres en fait obligent votre corps à adopter une certaine forme et donc éventuellement à compenser. Là les anneaux, vous avez vu, Gérald, il a pu avoir un angle articulaire qui lui convenait parfaitement. Là, c'est ce que tu as vu, toi, sur mon travail. Complètement. Parce que moi, je ne m'en suis pas aperçu, tu vois. Donc, c'est des bons coups d'œil. Ouais. Merci. Donc, un autre truc qui est important, c'est lorsque vous faites le travail au dips, on a vu Gérald y travailler uniquement avec la force du torse. C'est-à-dire qu'on voyait que tout le bas du corps, il n'y avait pas un gros contrôle. Ce qui va être important, c'est justement d'intégrer tout de suite un gainage plus spécifique au niveau des jambes. Donc voilà comment Gérald il a travaillé. Donc il était ici, position on va dire de dips classique, et il faisait des dips comme ça. Mais on va dire qu'il n'y avait pas de tension dans les jambes. Moi ce que je vous suggère, c'est de tout de suite travailler sur du gainage. Intégrer vos jambes dans le mouvement. Donc améliorez tout de suite déjà votre gainage, parce que ce gainage autour des jambes va se transférer autour du bassin, et on va voir que dans le mouvement de transition entre les tractions et les dips, le gainage autour du bassin va être fondamental. Ça va permettre le transfert. Exactement. Putain, je peux essayer moi avec ça là? Ouais, vas-y. Tu m'as donné un bon détail là-dedans. Et ça en fait, ce que tu viens de montrer, on peut le faire au bar à dips normal aussi. Pareil. T'as bien. Bon, dis-moi si je suis bien là. Donc là, je me gaine. Là, voilà. Donc l'idée, c'est il pousse dans les malléoles ici, là. Et limite, il pourrait mettre un coussin là, entre les deux. Voilà, parfait. Et plus dur déjà. Oui, parce que plus gainé. Incroyable. Incroyable. Déjà, je sens la différence. Sur un simple mouvement, quoi. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que vous avez vu que tout de suite, la tension du corps lui permettait de rester beaucoup plus droit. Donc, à partir du moment où les jambes, le bassin et le haut du corps vont être mieux gainés, forcément, vous allez avoir une seule unité qui va se déplacer. Et donc, lorsque je vais travailler sur le muscle-up, excusez-moi, donc lorsque je garde tout mon corps en tension, ben, c'est beaucoup plus facile de passer ici que si vous avez le bas du corps qui est détendu, d'accord, il n'y a pas de gainage. Et vous voyez que dès que moi je perds mon gainage spécifique, j'ai du mal à passer en fait. Première étape, maîtriser traction et dips. On a vu qu'on pouvait travailler les pieds au sol ou les pieds en l'air en fonction du niveau de base. Ça c'est première étape. Si j'ai pas beaucoup de force, les pieds au sol. Dès que je commence à avoir un petit peu plus de force, je décolle les pieds du sol. Ensuite, je vais essayer de monter en série, c'est-à-dire de faire 3-4 séries de 6 à 8 tractions, 3 ou 4 séries de 6 à 8 dips. Toujours garder cet équilibre entre le même nombre de tractions, le même nombre de dips. Très important ce que tu dis. Voilà. Pour avoir un équilibre justement autour du mouvement, puisque le mouvement de muscle-up se compose d'une traction et d'un dips. Intégrer le travail de gainage tout de suite, comme je vous l'ai dit. J'ai vu la différence là. Voilà. Et maintenant, on va commencer à bosser directement sur le grip, c'est-à-dire la technique spéciale qui va permettre le transfert plus facile. Dips. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le false grip, le faux grip. D'habitude, on prend les anneaux ou la barre fixe comme ça, d'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'anneau au niveau, en fait, de l'intérieur de l'avant-bras, comme ceci. Et l'objectif, ça va être de garder cette position-là. Donc, la première des choses, exactement, c'est d'apprendre à rester dans cette position, d'accord? Et de commencer à mobiliser mon corps dans cette position-là. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez tout de suite ressentir que c'est dur au niveau de l'avant-bras, au niveau de l'appui. Voilà, exactement. C'est juste une question de travail progressif. C'est pour ça que je suggère toujours de démarrer au sol. Ça me permet vraiment de contrôler mon mouvement, de doser le mouvement et de ne pas, on va dire, forcer sur les articulations inutiles. En cas de chute, pouvoir se récupérer tout de suite. Pareil. Sécurité. Tout à fait. Je te laisse essayer, Gérald? Alors, on va voir cette affaire. Donc, je rentre à l'intérieur. Ici, je vais saisir l'anneau. Ouais. Voilà, ici et là. Là. Exactement. Déjà, je sens que je ne suis pas à l'aise. De toute façon, ce n'est pas une posture qui est naturelle. Hein. Déjà, je sens que je ne suis pas à l'aise. Je me sens faible. Je comprends. Normal, tu l'as pas fait de... Tu l'as jamais fait comme ça. J'aurais dû commencer ça avant. Donc, là, tu vas te suspendre, les pieds au sol. Donc, laisse tomber le bassin en position de traction. Tu vois, regarde, j'ai les mains qui sont décrochées, le grip. Donc, si vraiment c'est trop dur d'avoir les bras tendus, on peut commencer simplement à habituer. Parce que vous voyez, regardez, tout comme les tendons de Gérald, ils travaillent là. Donc, ça, il faut le préparer, mais de manière très, très progressive. Donc, au lieu de te mettre dans cette position, Gérald, voilà, mets les pieds, reprends ta position de false grip. Et tu ne vas pas descendre complètement en bas. Tu restes là et là, tu vas simplement tirer en traction. Voilà. Donc, juste apprendre à travailler de cette façon-là. Pas évident. Exactement. Tout nouveau. Tout nouveau, mais comme tout nouveau mouvement, il faut laisser le corps s'habituer au travail. Donc garde la position, garde ton face grip, voilà. Et tu travailles sur de la qualité, donc dès que tu perds le face grip, tu t'arrêtes. Ça ne sert à rien de continuer. Ok. Donc, un autre principe, comme ce sont des mouvements qui sont assez complexes, dès que la qualité de travail se dégrade, j'arrête. Stopper. Très bien. Je récupère. Et une fois que vous avez récupéré, vous réinstallez un mouvement qualitatif. Là, il faut vraiment prendre le temps de travailler sur de la qualité pour que le cerveau enregistre, imprime. D'accord? Et il n'y aura que quand vous aurez d'abord maîtrisé votre mouvement, que vous pourrez ensuite, une fois qu'il sera maîtrisé, travailler sur de l'endurance, c'est-à-dire apprendre à faire plein de répétitions. Mais d'abord, qualité du mouvement, travail qualitatif. D'accord? Très très bien. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, on va simplement régler les anneaux. On a vu le travail spécifique pour préparer le face grip. Maintenant, on va travailler sur ce qu'on appelle le baby muscle up. Baby muscle up, c'est le muscle up pour les bébés. Enfin, les gros bébés, en ce qui concerne Gérald. Donc, la petite astuce, on va utiliser de la magnésie. Donc, la magnésie, c'est cette poudre blanche que les grimpeurs en escalade utilisent beaucoup. En gymnastique aussi. Et en gymnastique, exactement. C'est la poudre que vous voyez sur tous les agrès. Ça, en fait, ça limite la transpiration dans les mains. Ça absorbe bien. Exactement. Et donc, ça va éviter que vous glissiez sur les anneaux. Ça, c'est vraiment le petit plus pour éviter de perdre votre temps à chaque fois ajuster votre grip parce que vous avez les mains qui glissent. Très, très bien aussi pour le grimper de corde. Exact. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant à présent, le baby muscle up. Le baby muscle up, donc, c'est ce travail, on va dire, où on va commencer à combiner le travail de traction plus le travail de transition et le dips. Donc, je vais commencer avec véritablement ma position de face grip, donc très très important. Si au début vous n'êtes pas confortable, pas le besoin de travailler les bras tendus, ça viendra au fur et à mesure. Donc je peux très bien démarrer dans cette position. Donc les fesses sont dans le vide, mais je reste le corps bien gainé. Et je vais apprendre déjà à bien tirer ici, pour ensuite à un moment donné, venir ici, c'est-à-dire déchirer mon t-shirt. Imaginez qu'ici, vous attrapiez votre t-shirt et vous allez chercher à le déchirer. Comme Superman. Exactement, comme Superman ou comme Super Gérald. Bon, mais là, on va pas s'envoler, mais... Voilà, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de cap en dessous. On va en trouver une. Mais grosso modo, je vous refais le mouvement. Donc l'idée, je suis en position, je monte, je vais déchirer le t-shirt et là, je suis tout de suite au-dessus de mes appuis. Donc l'idée du mouvement de déchirer le t-shirt, c'est d'avoir cette position où vous êtes en position basse du dips pour ensuite pouvoir quitter le sol. À toi Gérald. Ça me plaît bien ça. Un petit coup de magnésie. Ah, ça c'est des points techniques très très importants que tu as donnés là, c'est vraiment très très bien. Donc fermeture, pas besoin de tendre tes bras, laisse les fesses tomber au sol, voilà. Voilà. Et à partir d'ici, donc il faut vraiment que tu déchires le t-shirt et que tout de suite tu prennes l'appui au-dessus de l'anneau. D'accord. D'accord. Si tu restes trop en arrière, là tu vas pas monter. Donc en gros, il faut tout de suite que lorsque je déchire le t-shirt, il y ait ce mouvement vers l'avant. De bascule. De bascule. Donc deux points clés, déchirant du t-shirt et bascule vers l'avant. Et bascule vers l'avant. Je retente. Vas-y. Voilà. Perds pas le face grip, Gérald. Voilà, super. Excellent. Voilà. Et ensuite, tu vas faire une dernière répétition, mais cette fois-ci avec prise d'appui. C'est-à-dire une fois que tu es au-dessus, bien contrôler que tu es vraiment au-dessus des anneaux et tu quittes le sol. Je fais un dips. Tu fais un dips. Je pensais que ça allait être facile aujourd'hui. Voilà. Oh. J'ai forcé, je réessaye. Trop de force. Non, c'est l'appui sur les jambes, je crois que je suis forcé. Ok. Ouais, je pousse un peu trop sur la jambe, je pense. Mais ça, alors, super point clé en fait. Parce que j'aurais essayé tout seul, par exemple, jamais j'aurais fait ça. En fait, je pense que je me serais retrouvé dans la position de tractionner et ici d'être bloqué. Tu vois, donc là, tes deux points clés que tu viens de me donner, là, déchirure du t-shirt et bascule vers l'avant, je crois que c'est le, pour moi, serait le point clé du travail. Alors un autre truc qui est très important, vous avez vu donc la légère bascule de Gérald vers l'avant parce qu'il a trop poussé dans ses jambes. Donc en gros, l'utilisation des jambes lui a donné un excès de vitesse et d'impulsion. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut juste apprendre à se délester, mais pas utiliser vos jambes. Si je le remontre, en gros, moi, mon appui, je ne travaille jamais en vitesse, je travaille toujours de manière très lente et très contrôlée, de façon à quasiment pas utiliser mes jambes. D'accord? Mes jambes, en fait, elles me servent simplement au début, surtout si vous débutez, à avoir ce mouvement de transition. Mais là, je n'utilise pas mes jambes. D'accord? C'est l'erreur que j'ai faite. Et toi, l'erreur que tu as faite, c'est qu'une fois que tu étais ici, j'ai poussé. Tu as poussé. Ouais. Je vais essayer avec ton nouveau conseil. Vas-y, vas-y. Donc, utilisez le moins possible vos jambes dans la transition. Okay. Le moins possible. Alors, elles vont simplement aider. Voilà, nickel ça. On refait? Eh ben ouais. Là. Transition. Oui, superbe. Il me disait, je ne vais pas y arriver. Ah non, mais là, il y a quand même le coup de main des pieds au sol quand même. Oui, mais le coup de main. Et finalement, le mouvement, il est déjà présent, Gérald. Tu vois, si. T'es un mec sympa. Qu'est-ce que tu peux donner comme période à peu près, quelqu'un qui part d'un niveau 0, tu considères en combien de temps? Bon, c'est toujours très difficile à dire parce que ça dépend des gens, du potentiel d'entraînabilité, mais est-ce que tu as une fourchette, par exemple, d'un gars qui part de 0, mais qui fait quand même, comme tu as demandé, ses 6 tractions et ses 6 dips, en combien de temps il peut être capable de faire un muscle-up? Alors, si vous faites les 6 tractions, 6 à 8 tractions et 6 à 8 dips, pour moi, avec les éducatifs qu'on a vus aujourd'hui, si vous travaillez 1 à 2 fois par semaine de façon spécifique là-dessus, en théorie, en 3 ou 4 mois, vous devriez réaliser des séries de muscle-up. 3-4 mois quand même, hein. C'est oui. Pas du... Alors, vous avez des gens qui, naturellement, sont très doués. En l'espace de quelques semaines, ils vont y arriver. Mais la majorité des gens... Eh ben, il va leur falloir un certain temps, voilà. Pas un exercice qui est gratuit, quoi. Ah non, non, c'est de toute façon, en matière d'entraînement, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit, tu le sais aussi bien que moi. Ouais, mais quand même, là, il y a du physique et du technique. Oui, il y a du physique, du technique, donc c'est important de bosser les deux. Donc, voilà, passer du temps là-dessus, 1 ou 2 séances spécifiques là-dessus, c'est-à-dire je m'échauffe, je travaille là-dessus, c'est mon objectif prioritaire dans un cycle d'entraînement. Et éventuellement, après, on pourra greffer d'autres exercices, on va dire, qu'on appelle auxiliaires pour compléter ma séance, etc. Mais si vraiment vous voulez progresser au muscle-up, il faut d'abord passer un certain temps sur ce genre d'éducatif-là. C'est bon? Un autre truc qu'on va faire, c'est utiliser cette fois-ci le travail excentrique isométrique. Ce qui va être très difficile pour beaucoup de gens, c'est développer la force musculaire spécifique. Donc, vous avez 2 méthodes en musculation qui sont très très intéressantes. C'est le travail excentrique, où on va développer beaucoup de force, et le travail isométrique dans un angle particulier, en l'occurrence... Sans déplacement des segments. Exactement. Donc, je vous montre. Ici, je vais prendre appui en haut, et l'objectif, ça va être de descendre de manière contrôlée, pendant 4 à 5 secondes. Travail excentrique. Travail excentrique. Et là, je vais maintenir ma position. Vous voyez? T'as vu comme c'est dur d'être fixé là. Exactement. Ouais, c'est très très bien. Et ici, je vais contrôler la transition. C'est-à-dire le but, c'est de rester ici. Donc toujours dans ma position. Donc, ce que j'ai fait, c'est au lieu de faire déchirer le t-shirt, prendre appui, là, j'ai en fait, j'étais en position de prise d'appui et j'ai remis le t-shirt. Inversé le mouvement. J'ai inversé le mouvement, mais tout en force. D'accord? Donc, ce qui va te donner de l'aisance pour la suite après. Exactement. Donc, encore une fois, avec plusieurs séances comme ça pendant plusieurs semaines, vous allez développer une force spécifique à ce mouvement. Et alors, bah tiens, question. Toi, quand tu t'es mis aux anneaux, en combien de temps tu as réussi à faire le muscle-up? Alors moi, j'ai mis, 1 an parce que je n'avais pas toutes les progressions que je vous donne aujourd'hui. En fait, tous les éducatifs que je vous donne aujourd'hui sont les éducatifs que moi j'ai utilisés pendant 1 année. Qu'on t'a donné ou que tu as trouvé par toi-même? Il y en a beaucoup que j'ai cherché parce qu'à l'époque, j'ai commencé à bosser là-dessus, c'était en 2010. Aujourd'hui, avec le CrossFit, ça s'est développé. Complètement. Mais à l'époque, il n'y avait que dalle. Moi, premier à dire, de toute ma carrière de sportif, j'ai jamais fait d'anneau. Tu vois. Ben, en 2010, il n'y avait pas beaucoup de choses comme ça. Et même en gymnastique, je m'étais rapproché de pôles de gymnastique. Et ils avaient des éducatifs, mais qui étaient déjà très avancés pour des gens qui étaient très avancés. Moi, je partais de zéro. Donc, il a fallu un petit peu bidouiller des choses pour apprendre justement les éducatifs que je vous donne aujourd'hui. C'est super important parce que là, c'est vraiment des connaissances techniques propres à toi-même, donc qui ont marché... sur un procédé empirique. Oui, complètement. Donc c'est vraiment parfait. Donc je te laisse essayer, Gérald. Donc travail, alors, position de dips. Je pars du dips. Tu pars du dips. Donc on va travailler sur la portion excentrique du dips. Ensuite, tu vas faire une pause de 5 secondes en position de dips bas. Ok. Et si tu peux, de la position ici, on va venir et on va maintenir 5 secondes ici. Remettre le t-shirt. Remettre le t-shirt. Allez. Je dips. Tu dips. En 5 secondes. Donc tu descends. Gainé. 3, 4, 5. On reste en position. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais ranger mon t-shirt. Donc contrôle, 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 contrôle. Et resserre tes coudes. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et j'ai... Et le flex grip est parti. Qui a glissé. Hein? Et ça fait super mal au poignet. Ça fait super mal au poignet. C'est vraiment un exercice qui est spécifique si on n'a pas l'habitude. Complètement. Là, quand je suis passé, j'ai un qui a glissé, je remettrai de la magnésie tout à l'heure là. Et mais par contre, la position là est vraiment pas confortable. Faut vraiment être habitué quand même. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait un temps d'adaptation et qu'il fallait pas forcer ce temps d'adaptation. Faut pas vous imaginer qu'en faisant 3 heures de travail de muscle up, à la fin, vous allez réussir le mouvement. La seule chose que vous allez arriver à faire, c'est à vous déclencher des tendinites, des avant-bras et des trucs comme ça. Donc, il vaut mieux y aller de manière progressive, étaler votre progression sur plusieurs séances, plusieurs semaines, pour laisser justement les tendons et les articulations se préparer doucement. Ah, exactement. Donc, un autre point clé qu'on peut travailler, une fois qu'on a fait ça, c'est d'utiliser des bandes élastiques. Donc, autre éducatif, cette fois-ci c'est vraiment pour travailler, pour avoir l'idée du mouvement de muscle up et commencer à psychologiquement se préparer, mais déjà avec les éducatifs qu'on a vus, on a de quoi faire. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser une bande élastique qu'on va coincer ici, entre les doigts, et on va maintenir cette position de flex grip. Et je vais prendre ici la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ma position ici de flex grip. Et l'idée, c'est de venir en fait s'asseoir dans la bande élastique. Wow. Donc je vais m'asseoir dans la bande élastique, et la bande élastique en fait, vous voyez ici, elle me suspend. Donc elle va pouvoir me donner en fait cet effet ressort, pour apprendre, justement. Elle te donne de l'élan pour le mouvement. Pour le mouvement et pour la transition. Et en plus, ben, ça reprend un peu l'exercice qu'on dit aux gens pour les tractions, pour s'aider d'une élastique. Exactement. Voilà. Et les élastiques, elles viennent de chez toi. Et les élastiques viennent de chez moi. Ouais. Ah, comme quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est un très bon éducatif. Il peut vraiment aider, si vous voulez, à passer des caps au niveau psychologique. Lorsqu'on a pris l'habitude d'utiliser trop les jambes au sol, trop pousser dans les jambes. Donc ça permet vraiment de développer, on va dire, le geste dans le vide. On peut bien entendu utiliser une bande rouge, on peut utiliser une bande inférieure, une bande jaune dont la tension sera inférieure et donc le délestage sera inférieur. Ouais, puisque chaque bande a une résistance de 2 kg. Exactement, tout à fait. Et donc du coup, si vous utilisez une bande jaune, ben, la bande jaune elle est moins tendue, plus légère. Du coup, elle vous déleste moins, il faudra forcer plus. Comme ça, si je me prends une résistance de 80 kg, je fais de la balançoire. Exactement, et tu peux même traverser mon faux plafond. On peut faire lance-pierre si tu veux. Ça peut devenir une arme de guerre. Ouais, j'aurais plutôt vu une petite... Tu veux essayer, Gérald? Avec l'élastique? Ouais. Allez, on va voir. Donc vous prenez la bande élastique, vous la posez sur l'anneau et vous allez mettre ici vos doigts autour. Très important, Gérald, on ne passe pas les doigts à l'intérieur. Pour pas se faire mal. Voilà, parce que selon les mouvements que vous allez faire, si vous avez le doigt qui est coincé, ben vous pouvez vous faire une phalange, vous pétez la phalange, d'accord? Donc mes doigts, ils dépassent simplement de part et d'autre en fait de la bande élastique. Je prends mon Felix Grip, d'accord? Comme ça. Ça marche? D'accord. À partir de là, l'autre bout, je le passe dans le dos, puis je viendrai faire la même chose sur mon anneau, et ensuite, je viendrai prendre appui. Alors, on va voir. Donc comme ça, entre les doigts. Là, exactement, mal, là. Ouais, c'est bon. Okay. Là, tu verrouilles. Là, tu passes dans le dos, tu ramènes de l'autre côté, la même chose. Voilà. Ok. Donc là, tu passes au-dessus des anneaux en dips, tu ne te préoccupes pas de la bande, et la bande, ensuite, on va simplement... Sous voilà, les fesses. Exactement. C'est ça, et tu remontes. Ah ouais. Et surtout... Gardez vraiment le contrôle du Felix Grip, puisque l'idée c'est encore une fois d'installer un mouvement, installer la qualité d'un mouvement. Ouais. Et ah, le micro. Et moi je sens qu'en descendant souvent le Felix Grip il se perd. C'est normal. C'est une habitude à avoir. Ben, c'est encore une fois c'est du contrôle moteur, donc apprendre simplement à répéter le geste. Pour rappel, il n'en avait jamais fait avant, donc c'est normal si vous voulez qu'il n'ait pas l'habitude au niveau de ses tendons, de ses articulations, de ses muscles pour maintenir la position spécifique. Sympa, t'aurais pu me faire faire un truc où j'étais habitué quoi. Ah non, attends, c'est lui qui m'a demandé, je veux apprendre à faire le muscle up. Il va me faire passer pour un bourreau en plus. Après, dans, les haters vont nous dire, ouais, cet enculé de Carrio, il a, fait, non, il a voulu faire souffrir le Major Gérald. Non, non, super éducatif, super éducatif. Donc, on a vu, travail des tractions, travail des dips, on peut délester le corps. Ensuite, on a vu le baby muscle up. C'est-à-dire le travail, les pieds au sol, où j'apprends à faire le mouvement, ici, de déchirer le t-shirt, reprise d'appui avec la transition. Moi, ce que je trouve le plus important, enfin, tout est important, hein, mais ce qui m'aide le plus, pour moi, c'est ce que tu viens d'expliquer là. Mmh. Donc, une fois que je maîtrise mon travail, on va dire, de traction, de dips, je vais éventuellement mettre une notion de gainage supplémentaire au niveau des jambes. Vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure avec Gérald, où on voyait que selon le type de mouvement, il utilisait très peu ses jambes, il y avait très peu de gainage dans les jambes. Donc on peut rajouter une difficulté en utilisant en fait n'importe quoi, un coussin ou un tapis d'équilibre pour apprendre simplement à garder le gainage des jambes intégré. Ça c'est vraiment des astuces supplémentaires pour quand vous maîtriserez votre muscle up ou quand vous voulez bosser et vos tractions ou vos dips. Donc je peux très bien par exemple bosser soit mes dips avec cette position de gainage, ouais, qui m'oblige tout à fait à ne pas perdre en fait le gainage spécifique autour du bassin. Ça passe en traction aussi. Et ça passe en traction, vous pouvez tractionner de cette façon-là. Et puis bien entendu, à terme, l'idée ça sera d'intégrer ce travail spécifique ici, wow, là, là, et ainsi de suite. Mais super éducatif. Plus tard. C'est un super éducatif. Oui, oui, complètement. Et souvent, je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps à titre personnel. Donc, moi, j'avais l'habitude, si vous voulez, lorsque je faisais mon muscle up, d'utiliser un petit peu trop mon oblique gauche et mon fléchisseur de hanche gauche. Donc quand je faisais mon muscle up, j'avais en fait une tendance à faire le mouvement en montant comme ça, en contractant ce côté-là. En utilisant cet éducatif... Un mouvement parasite, tu avais. Une compensation, un mouvement parasite, totalement. Donc ces mouvements parasites, il y en a dans tous les sports. En boxe, on s'aperçoit des fois qu'on a un mouvement parasite, un peu trop d'appel, etc. Donc là, en me filmant, j'ai pu identifier un de ces mouvements parasites et donc corriger avec ce petit éducatif. Très important ce que tu dis, parce que quand on a un mouvement parasite et qu'on continue à s'entraîner avec, après pour le corriger, c'est des fois des mois et des années d'éducatif pour justement l'enlever. Donc plus tôt on le corrige et mieux c'est. Et en plus de ça, ben plus on a un mouvement plus parasite, plus on a de compensation qui s'installe et plus on a de compensation, plus on augmente le risque de blessure. Donc, avant que Gérald teste un muscle up, je vais lui donner juste deux points clés. Avant que j'échoue un muscle up. Non, on n'échoue pas. Aujourd'hui, on apprend et on travaille, donc on n'échoue pas. Apprenons, apprenons. Voilà. Donc, ce qui va être très très important, comme on est limité par la hauteur de plafond, on va travailler en équerre. Donc, travail d'équerre qui est un travail supérieur. C'est encore plus difficile. Donc, ce qu'il faut que tu penses, c'est garder la position d'équerre, quoi qu'il arrive. Ta position de référence, c'est mon corps ne doit pas quitter la position équerre. D'accord. D'accord. Je suis verrouillé dans cette position-là et tout mon corps va s'organiser, c'est-à-dire la traction, la bascule dans cette position d'équerre. D'accord. D'accord. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, ben, en théorie, ça doit faire ça. Donc ici, le travail d'équerre. Je ne perds pas mon équerre. Ouf. Impressionnant. Hop. Alors moi je sais déjà que la position en équerre avec les poignets engagés comme ça, j'aurais mal aux poignets déjà. Donc si ne démarre pas les bras complètement tendus, Gérald, tu commences avec les bras semi-fléchis. Semi-fléchis. Voilà. Histoire de ne pas avoir cette tension trop excessive avec le bras tendu. Ouais. Et démarre comme ça et on va voir comment ça passe. Moi ce que je te suggère, c'est on essaie d'en faire un. Juste la phase concentrique. Ouais. Tu pars de la position équerre, une fois que tu es en dips, tu te laisses descendre au sol tranquillou, d'accord? Sans contrôler la descente. Ah, je pense que je ne vais pas passer le tirage de t-shirt bascule. Alors, équerre. J'adore. C'est passé? Ben oui. C'est passé? Ben oui. Ouais, mais j'ai dû tricher quelque part. Mais non, tu n'as pas triché quelque part. Bon, ok. Vous avez la démonstration d'un athlète modeste. Non, voilà. le prof. Non, parce que, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tes deux conseils de tirer et déchirer le t-shirt. Je pense que le point clé pour moi était là. Parce que moi, par exemple, je suis bon en dips. Oui. J'ai des facilités en dips, mais au bar. Ok. Tu vois. Et bon, ben, merci pour les conseils. Par contre, je ne serais pas capable d'en aligner plusieurs comme toi, là. Comme tu viens de faire, là. Tac, 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 tac. Essaye. J'arriverai pas, je sais déjà. T'es le winner. Mais non, il n'y a pas de winner. Par contre, je peux te faire des dips si tu veux. Alors, montre-moi des dips. Putain, maintenant qu'on est cramé avec les anneaux à Christophe, on va faire des dips. Allez, c'est parti, monsieur. Putain. Allez, 50, hein. Ah. 50? Qui c'est qui m'avait dit que Carrio il était sympa là? Ok. 50. Non, non, tu fais ce que tu veux, Gérald. Okay. Tu voulais nous montrer que tu étais fort en dips. Ok. Bon, ils seront peut-être pas complets parce que j'ai pas des épaules de souplesse exceptionnelles. On est entre nous. On est entre. Ouais, sur YouTube. Ok. Bon, allez, on part. 50. Okay. Allez, c'est parti. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Oh, 51. Allez. Alors maintenant, on refait un muscle up, Gérald. Moi, j'aime ce mec pour ses qualités sportives exceptionnelles, mais hey, t'aurais dû songer une carrière dans l'humour. Parce que là, t'aurais cartonné. Bon, merci. Bah, ils sont passés là, les. Oui, oui. C'était dur sur les derniers, là. Ah, ben, on a vu. C'est la faute au muscle up. Bon, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup, franchement. Tous les conseils que tu as donnés, c'est vraiment du grand professionnalisme. Et ce qui est très, très beau, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça vient d'une façon empirique. Mmh. C'est toi qui as emmené ta pierre à l'édifice. Et ça, en fait, avoir l'expérience de quelqu'un comme toi, ça n'a pas de prix, tu vois. Mmh. Ben, écoute, merci. Merci, merci, merci. Donc, les anneaux, ils sont de chez toi aussi? Ça, ouais, tout ça c'est de chez moi en fait. Vous retrouvez des CTS trainers, vous retrouvez les barres parallèles sur. Barres parallèles de chez toi aussi. Ouais, exactement. Très bonne fixation. Eh ben merci beaucoup. Elles sont modulables, on peut monter la hauteur. Ouais, exactement, régler en fonction. Tu vois, si elles avaient été un peu plus hautes, peut-être j'aurais pu en faire plus. Et donc, ben, ce que je vous disais, c'est qu'on peut, effectivement utiliser les barres parallèles, par exemple en utilisant un lest ou une kettlebell entre les cuisses, et donc ben, travailler en étant lesté, c'est-à-dire en travaillant avec plus de lest pour pouvoir travailler justement soit de la force max ou des choses comme ça, quoi. Donc, par exemple, une séance un peu de niveau avancé, lorsque vous maîtriserez les muscle-up, ça peut être de faire des séries de traction lestées, des séries de dips lestées et des séries de muscle-up sans poids. Alors, quelqu'un qui te contacte, là, qui te demande un petit programme d'entraînement, pompe, traction, dips avec des charges et tout en vue de faire du muscle up ou juste pour s'entraîner là, ils peuvent te demander des conseils d'entraînement. Alors moi j'ai des tutos qui existent déjà sur mon site internet. Qu'ils peuvent aller voir. Oui, ils peuvent aller voir. Donc vous avez des tutos avec des fiches de progression. C'est gratuit. Voilà. La seule chose que je demande aux gens, c'est éventuellement de s'équiper chez moi. C'est aussi comme ça que je gagne ma vie. Donc j'essaie de donner des choses gratuitement. C'est un bon procédé. Voilà, exactement. Échange de bons procédés. Échange de bons procédés. Voilà. Je vous donne entre guillemets de la technique et de la méthodologie. Et les gens en théorie jouent le jeu en s'équipant sur ma boutique. Bah, en tout cas, les conseils sont super parce que moi, j'étais certain en arrivant chez toi de ne pas être capable de faire un muscle-up parce que j'avais essayé il y a quelques années en voyant des anneaux comme ça à faire justement ça et j'étais resté bloqué comme ça. Et bon, j'ai jamais réessayé après. Et grâce à ces deux petits conseils que tu m'as donnés, qui pour moi étaient les points clés, ben, j'ai réussi à les basculer. Donc, c'est des très bons conseils, tu as une très bonne analyse. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à venir chercher chez toi, tous ces conseils et ce matériel qui est très bien, quoi. Ben, je te remercie. Encore une... Oui, pardon. Et j'ai juste une chose avant. Je voudrais donner un dernier conseil pour la récupération post-effort. Oui, bien sûr. Qui me semble très importante. Ben, c'est bien parce que comme ça, je vais en profiter. Donc maintenant qu'on a bien bossé et qu'on a bien travaillé, le but c'est de bien récupérer parce que la récupération pour moi elle fait vraiment partie intégrante de l'entraînement, surtout si on veut progresser sans se blesser. Et puis elle permet de préparer la prochaine séance. Exactement. Et donc un moyen de préparer la prochaine séance, c'est de relâcher les tensions qui se sont accumulées pendant l'entraînement. Donc on a pu ressentir un peu de congestion, un peu de tension autour des muscles de la ceinture scapulaire, etc. Donc vous pouvez utiliser des balles de massage en les positionnant directement contre un mur. Et l'idée, en fait, ça va être simplement de prendre appui et masser, en fait, votre corps comme ceci et d'aller chercher, en fait, les zones de tension. Donc, tu vas voir, Gérald, qu'il va y avoir des endroits où tu n'avais pas forcément la sensation d'avoir une gêne. Et puis, en posant, tu vas ressentir qu'il y a un point de tension. Et le but, c'est de faire dissiper ce point de tension avec la balle. Donc, j'ajuste en fait en fonction des positions. Et je vais ajuster le travail comme ceci. Là, par exemple, entre les omoplates, il y a souvent des tensions. Ah ouais. Voilà. Donc peut-être que... En plus, c'est des zones qui sont difficiles d'accès, donc c'est super ce que tu montres. Exactement. Donc là, si on se met ici, peut-être que vous le verrez un petit peu mieux de profil. Donc je pose la balle contre le mur et je vais aller chercher en fait des zones où il peut y avoir des tensions, donc sous l'aisselle, entre les omoplates. Donc je récupère la balle, je la mets entre les omoplates et on va venir tout simplement masser. Et dès qu'il y a une zone un petit peu plus de tension, ben je reste dessus, j'insiste dessus, sans forcer. Et petit à petit, tu vas sentir qu'elle va se dissiper. C'est en fait une contracture musculaire que tu masques. Exactement, complètement. Donc tu peux essayer. Ouais, tout à fait. Alors tu sais déjà, tout de suite, je vais essayer entre les omoplates, parce que j'ai toujours quelque chose. Tu vois. Et donc j'utilise simplement mes jambes pour venir, et ben voilà. Putain. Je tombe amoureux d'une balle, là. Waouh. Voilà, putain, super. Donc on peut utiliser une balle de massage. Donc vous pouvez l'utiliser tout autour de la ceinture scapulaire, directement sur l'épaule. Tiens, je vais essayer l'épaule. Voilà. On peut utiliser direct sur l'épaule. Donc je vais rouler, voilà, d'en avant en arrière. pivoter le corps comme ceci. Ah, puis c'est bien intrusif, ça rentre bien. Hein. Exactement. Ouais. Par rapport à un rouleau de massage que vous avez peut-être déjà pu voir. C'est plus précis ça. Exactement, on a un degré de précision. Je le sens là. Comme... Ouais. Donc pareil, si on a des douleurs au niveau des triceps, par exemple Gérald, ouais. On peut récupérer la balle. Tu poses la balle ici ou alors... C'est intéressant parce que moi j'ai une rupture du muscle du triceps. Mmh. On regarde, je te montre notre truc, une autre astuce. Donc ça c'est pareil des balles qu'on peut retrouver sur ma boutique. Vous pouvez les mettre dans un filet. Et tu doubles. Et en fait tu doubles. Et donc on va positionner en fait le segment osseux, donc l'os, entre les deux. Donc là vous avez ici, je vais poser mon triceps et je vais en fait pouvoir travailler directement comme ceci. Je vais pouvoir mettre un travail. Comme ça, tu peux toucher le vaste interne et le vaste externe. Exactement, en même temps. Complètement. Et mobiliser les tissus dans différentes directions. Ici, je peux travailler également mon avant-bras qui a beaucoup travaillé. Donc là, je vais prendre appui ici. Donc bien entendu, je peux le faire sur un mur, je peux le faire au sol, voilà. Donc je peux poser mes balles sur un banc, une table à manger, etc. Il y a plein de façons d'utiliser ça. Un appui et tu masses. Et un appui et je masse, bien sûr. Donc là, viens carrément prendre appui ici. Ah ouais, là, très très bien. Je bascule sur le triceps. Ah oui. Ouais. Là, tu vois, ben comme je t'ai dit tout à l'heure pour toi, mais là, je le ressens, vaste interne et vaste externe qui sont massés tous les deux. C'est super intéressant. Hein. Et donc ce petit travail-là d'automassage, vous pouvez le faire pendant 5 à 10 minutes post-séance. Vous faites votre séance de muscu, vous faites votre séance de boxe, etc. Et on peut travailler tout le corps avec les balles de massage, ou on peut carrément utiliser la canne de massage, qui est un outil encore plus précis, où là cette fois-ci, je vais pouvoir simplement, en utilisant des appuis, poser par exemple la canne, je positionne ma canne comme ceci, dans le dos, et je vais pouvoir glisser directement sur mes rhomboïdes. Alors ça, je n'avais jamais eu. Ça vient de chez toi, ça aussi? Ouais. Donc là, pareil, je vais pouvoir travailler de façon plus spécifique mes trapèzes. Ici. Et ainsi de suite. Donc bien entendu, à droite, à gauche, vous pouvez simplement manipuler. Et ce travail d'automassage, il va être très très utile pour pouvoir, encore une fois, je peux bosser sur mon avant-bras, cette fois-ci en glissant directement sur le muscle. Donc, mettons, vous avez beaucoup travaillé votre muscle-up. Comme on a fait, là. Exactement. Vous avez des raideurs, des tensions dans l'avant-bras. Je vais simplement poser ici mon avant-bras et je vais frotter, travailler les tissus en profondeur. Voilà. Eh bien, Gérald, pour conclure, qu'est-ce que... Alors pour conclure, écoute, moi je t'avais demandé à m'apprendre le muscle up aux ados parce que j'avais vu des vidéos de toi qui sont très très impressionnantes. Pour moi, tu as quasiment un niveau de gymnaste. Hein, un petit niveau de gymnaste, mais c'est gentil. Ah, c'est quand même remarquable. Et donc moi je savais que je ne savais pas faire ce mouvement-là. Et j'étais très très content de le faire parce que tu m'as vraiment apporté des éducatifs que tout seul, j'aurais jamais pu découvrir et tout seul, j'aurais jamais pu y arriver. Donc là, je te remercie vraiment et c'est vraiment des éducatifs à travailler que vous pouvez regarder parce que vous êtes quasiment sûr d'y arriver avec, bon, comme tu as précisé, il faut quand même un niveau de base en dips et en traction. Ouais. Mais ensuite, avec ces exercices spécifiques, ces éducatifs, ça t'emmène à la réussite de cet exercice. Complètement. Donc vraiment très très bien. Je te remercie de nous avoir accueillis chez toi. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une maison ou si c'est un centre kinésithérapie ou une salle de musculation, mais on te remercie avec l'équipe de Guillaume, la production Saint-Georges. C'était vraiment une super invitation et on te remercie parce que c'est vraiment des très précieux conseils. Ben, si ça peut t'aider à progresser, puis à aider à progresser les gens qui regardent ta chaîne, c'est avec plaisir. Ben, merci beaucoup et si vous avez du matériel d'entraînement, que vous voulez du matériel de qualité, regardez sur Christophe. www.christophe-carrio.com. Ouais, je dirais pas mieux. Et, vous aurez du matériel de qualité. À très bientôt et merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.